Hello tout le monde, je m'appelle Jane et j'ai 16 ans. Un jour, je suis rentrée dans la salle de cours et j'ai entendu « Hey Jenny, c'est quand que t'as eu ces boutons ?»« Ce ne sont pas des boutons, je suis juste allergique aux cons comme toi !» J'ai réussi à tenir tout le reste du cours. Mais dès que j'ai entendu la sonnerie, j'ai couru vers les toilettes et j'ai fondu en larmes. C'était trop! Je détestais les gens de ma classe de tout mon cœur. Mais encore plus que, je détestais mon reflet dans le miroir. J'ai crevé quelques boutons, essuyé mes larmes et je suis rentrée chez moi. Mais c'est là que j'ai vu un panneau d'affichage avec une pub pour des cours de maquillage pour débutants. Ma mère m'avait toujours interdit de me maquiller en me disant que le fond de teint obstruerait mes pores et que j'aurais encore plus de boutons. Mais à ce moment-là, je n'en pouvais plus. J'ai dépensé tout mon argent de poche pour le premier cours. Mais ça en valait la peine. La moi toute fade faisait partie du passé. Je suis rentrée chez moi, en ressemblant à une top modèle d'une couverture de magazine. J'avais vraiment pas envie d'enlever mon maquillage, donc je me suis couchée avec. Mais le lendemain matin, j'ai failli casser le miroir tellement j'ai eu peur. En une seule nuit, j'étais passée d'une beauté incroyable à un véritable monstre. J'ai dû tout laver. Puis à l'école, je me suis encore fait harceler. J'en avais vraiment marre. J'étais sur le point d'attraper les cheveux de celle qui me harcelait, quand le prof l'a sauvée. Écoutez-moi tout le monde. Notre école participe à un programme d'échange d'étudiants. Levez la main si vous voulez aller au Canada pendant un mois. J'étais la première et la seule à lever la main. Mais ça me convenait très bien. Au moins, je serais tranquille pendant un mois. Tout ce que j'avais à faire, c'était de convaincre ma mère de me laisser partir. Tu ne peux pas t'en aller pour aussi longtemps. Tu vas vivre où? Et imagine s'il y avait des personnes méchantes là-bas. En bref, ma famille d'accueil a dû prouver à ma mère, par vidéo, qu'elle était gentille et attentionnée. Et au final, maman a cédé. Mais avant de faire mes valises, je suis allée plusieurs fois au cours de maquillage. Et j'ai acheté de quoi me maquiller, justement. Maintenant, je pouvais me faire belle sans aucune aide. Je suis montée dans l'avion quand j'ai vu quelqu'un me fixer. Mais pendant le décollage, l'avion a tellement tremblé que j'ai fondu en larmes de peur et le maquillage a coulé sur mon visage. Le gars a fait une grimace et il a arrêté de me regarder. J'ai mis un masque et j'ai fait semblant de dormir pendant 4 heures. La famille d'accueil m'attendait déjà à l'aéroport, mais je ne voulais pas qu'ils me voient comme ça. Je me suis donc enfermée dans une cabine de toilette et j'ai passé une heure à me maquiller jusqu'à ce que j'entende une annonce. Jane Sullivan, Madame et Monsieur Johnson vous attendent dans la zone des arrivées. Je suis sortie des toilettes en courant et je me suis dépêchée de récupérer mes bagages. Toutes les autres personnes de mon avion étaient déjà parties et ma valise était toute seule sur le carrousel à bagages. Je l'ai attrapée, puis quand j'ai levé la tête, j'ai vu un panneau avec mon nom dessus. Je m'appelle Ella et voici mon mari Robert et mon fils aîné David. Bienvenue à Toronto. La famille s'est avérée être très gentille. Et leur maison était absolument fantastique. Au dîner, Madame Johnson n'arrêtait pas de me féliciter. Ta mère m'avait dit que tu étais une excellente élève. Et en plus de ça, tu es belle aussi. Quand David me faisait visiter la maison, je me sentais vraiment timide. Et voici la chambre de ma sœur. Tu vivras ici pendant qu'elle restera chez moi. C'est juste sous ma chambre. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, frappe au plafond avec une serpillière. Je viendrai tout de suite. Je n'avais aucune idée à quel point j'aurais besoin de ce conseil aussi rapidement. Je me suis lavé le visage, puis je suis partie me coucher. Quand d'un coup, j'ai entendu des bruits bizarres à l'extérieur. Quelqu'un grimpait à ma fenêtre. J'ai trouvé la serpillière dans le noir et j'ai commencé à frapper au plafond de toutes mes forces. Mais David n'est pas venu. Je me suis donc cachée à droite de la fenêtre. Et dès que l'étranger est entré dans la pièce, je l'ai frappé de toutes mes forces avec la serpillière. Venez ici! Il y a un voleur! J'ai attrapé un voleur! Les parents de David sont tout de suite arrivés. Mais quand ils ont allumé la lumière, j'ai vu une fille. Et à ma grande surprise, Madame Johnson était inquiète pour elle. Amanda, ma chérie, ça va? Je ne comprenais rien de ce qu'il venait de m'arriver. En fait, c'était la copine de David. Elle avait l'habitude de passer par la fenêtre de la sœur de David pour se faufiler dans la chambre de son copain au deuxième étage. Mais ce soir-là, ses plans étaient ruinés. Il y avait un bleu sous son œil. De quand je l'avais frappé avec ma serpillière. Je suis tellement désolée, je pensais que tu étais un voleur. Amanda m'a jeté un regard noir quand Madame Johnson a crié. Oh mon Dieu, Jane, ton visage! Je vais appeler une ambulance tout de suite! Non, non, non! Je n'ai pas besoin d'ambulance! Ce ne sont que des boutons. Les parents de David se sont regardés, étonnés, mais n'ont pas posé plus de questions. J'ai réglé mon réveil à 6h du matin, et quand il a sonné, je suis descendue pour le petit déjeuner, déjà maquillée. Heureusement, ils n'ont pas parlé de l'incident de la nuit, et je suis arrivée dans ma nouvelle classe de bonne humeur. C'est là que je l'ai vu, Tim. C'était le gars le plus beau que j'ai jamais vu. Il fallait qu'il me remarque d'une manière ou d'une autre. Pendant que je réfléchissais à des idées pour faire ça, le prof est entré et a annoncé. Ne partez pas juste après les cours. Nous organisons une course de relais aujourd'hui. Sur la ligne de départ, j'avais un gros sourire. Après tout, j'étais la personne la plus rapide de mon école. Bientôt, tous mes concurrents étaient loin derrière moi. Mais c'est là que d'un coup, j'ai senti que mon maquillage coulait sur mon visage à cause de la sueur. Non, Tim ne pouvait pas me voir comme ça. Je suis tombée et j'ai gémi. Ah, ma jambe! Ma jambe! Quelques secondes plus tard, Amanda se penchait sur moi. J'ai tendu la main pour qu'elle puisse m'aider à me lever, mais elle s'est contentée de rigoler. Repose-toi, la boutonneuse! Avant de repartir en courant, me laissant dans un nuage de poussière. Je n'allais pas me faire harceler ici aussi quand même! Je me préparais à rattraper cette fille méchante. Quand quelqu'un m'a soulevée et a commencé à courir avec moi dans ses bras, j'ai un peu ouvert les yeux
C'était Tim. On a même terminé premier. Tim m'a doucement fait descendre au sol. Comment va ta jambe? Tout va bien, merci. Alors, rien ne t'empêchera de venir à ma soirée ce soir? J'ai hoché la tête machinalement. Quand je me suis rendu compte que je n'avais rien à me mettre, je suis restée là, à essayer de me rappeler si j'avais assez d'argent pour m'acheter vite fait une robe. Mais c'est là qu'Amanda est venue vers moi. Je suis désolée d'avoir été méchante. J'étais juste encore en colère à cause de ça. Je pourrais te prêter une robe pour la soirée de ce soir. Merci Amanda, c'est tellement gentil de ta part. Grâce à ma nouvelle amie, je suis devenue une vraie star à la soirée. Mais le plus important était que Tim ne m'ait pas quittée une seconde. À un moment donné, j'ai laissé tomber mon sac à main. Je me suis penchée pour le ramasser, quand on s'est cogné le front. Il a fermé les yeux et s'est approché de moi. Quand le petit frère de Tim a commencé à crier, tout le monde s'est figé. Je n'ai même pas réfléchi. Je me suis précipitée pour aider le garçon, alors que j'étais encore en robe. Et je l'ai sorti de l'eau. Tout le monde rigolait. J'ai regardé mes nouveaux camarades de classe, légèrement paniqués quand j'ai compris. Mon maquillage avait probablement disparu. Et tout le monde voyait mes boutons horribles. Mais c'était même pas ça. La robe qu'Amanda m'avait prêtée était devenue transparente dans l'eau, en fait. En gros, j'étais en sous-vêtements devant tout le monde. J'ai mis mes bras autour de moi et j'ai voulu m'enfuir. Mais Tim m'a recouvert d'une serviette. Allez Jane, papa va te ramener à la maison. J'ai enfilé mes vieux vêtements et je suis montée sur la banquette arrière d'un minivan à côté de Tim. Merci d'avoir aidé mon frère. T'es tellement courageuse. On s'en fout de ce qui s'est passé avec la robe. T'es toujours jolie. Tim m'a serrée dans ses bras. Je me sentais déjà beaucoup mieux. Sur le chemin du retour, j'ai pris sa main dans la mienne. Et je me sentais toute heureuse. C'est là que le père de Tim a juré et a appuyé sur les freins. Avec la force, mon visage s'est pressé contre le siège avant. Vous allez bien? Au lieu de répondre, Tim a commencé à rigoler. Horrifié, j'ai regardé le siège avant et j'ai vu l'empreinte de mon maquillage impeccable dessus. Oh non, ça c'est trop. Vous êtes tellement sournoises les filles. Et moi je suis tombée dans le piège. J'ai senti une boule dans ma gorge. J'ai ouvert la porte et j'ai commencé à m'enfuir. C'était tellement humiliant. Et tout ça le premier jour d'école en plus. C'est là que j'ai entendu les pas de quelqu'un derrière moi. Je me suis dit que ça devait être Tim qui avait décidé de s'excuser et de me réconforter. J'ai fait une grimace offensée. Je me suis retournée et j'ai vu un sans-abri. Il se tenait devant moi et il me tendait un chapeau. J'ai mis la main dans ma poche et je lui ai donné quelques centimes. Le sans-abri m'a regardé, a jeté son chapeau et s'est enfui. Ah ouais, je devais vraiment avoir l'air horrible. Mais quand même pas assez pour faire peur au sans-abri. Si, je me sentais encore pire du coup. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai été accueillie par un David souriant. Allez, je vais te dire quelque chose. Il a étendu une couverture sur la véranda. On s'est assis ensemble et on a regardé les étoiles. Tu ne t'inquiètes pour rien. Il y a des années, j'étais un paria à l'école aussi. J'étais maigre, avec des lunettes épaisses et des boutons partout. Mais avec le temps, j'ai changé presque naturellement. Les boutons ont disparu, j'ai commencé à porter des lentilles et aller à la salle de sport. Et maintenant, comme tu peux voir, personne ne se souvient même d'à quoi je ressemblais avant. Mais tu ne peux tout simplement pas imaginer ce que j'ai vécu. Je me suis fait harceler tous les jours à l'école, et je me suis enfuie juste pour me sentir belle, ne serait-ce qu'un moment. Mais ça n'a fait qu'empirer à partir de ce moment-là. Oublie-les, tu es une fille géniale. Dis-toi juste qu'aucun de ces abrutis ne s'est précipité pour sauver le gamin, pas même son propre frère. T'es la seule à avoir sauté dans la piscine, alors que tu savais que ton maquillage serait ruiné. Ce que David m'a dit m'a tellement réconfortée. Et si je prenais vraiment tout ça trop au sérieux? Le lendemain matin, je me suis pas maquillée. Je suis allée voir Tim toute confiante et je lui ai fait un gros câlin. Mais il m'a repoussée et a éclaté de rire. Écoute, je ne sais plus comment tu t'appelles. T'approches pas de moi. Imagine si tes boutons étaient contagieux. Tout le monde a rigolé et j'avais encore envie de pleurer. Mais je me suis ressaisie. Ils ne sont contagieux que pour les gars cool, donc t'as rien à craindre. J'ai capté le regard enthousiaste de David. Je me suis assise au dernier rang et j'ai commencé à réfléchir à comment me venger. Mais les choses se sont réglées d'elles-mêmes. Le professeur est entré et a annoncé les résultats du contrôle qu'on avait eu la veille. Imagine ça un peu. Tim et Amanda ont eu les pires notes. Et s'ils échouaient au rattrapage, ils allaient être envoyés dans une classe spéciale. Mes petits démons en moi se réjouissaient. Une belle vengeance méritée. Mais quand je me préparais à rentrer après les cours, j'ai vu leur visage triste. Ils avaient l'air si pathétiques que j'ai tout de suite oublié ce qu'ils m'avaient fait. Je peux vous aider si vous voulez. Pendant 2 semaines entières, je leur ai donné des cours particuliers après les cours. Un jour, je suis entrée tranquillement dans la salle de cours quand j'ai vu Tim et Amanda s'embrasser. Je l'ai enregistré en vidéo, mais je n'ai pas osé la montrer à David. Grâce à mon aide, ils ont réussi le contrôle. Tim m'a serré dans ses bras et Amanda m'a donné un bon pour un cours de maquillage. J'ai pris tout mon maquillage, je suis allée à l'adresse qu'elle m'avait donnée et j'ai vu un groupe de personnes assises en cercle. Waouh, c'est inhabituel ça comme format. Je me suis dit que c'était juste pour que tout le monde puisse bien voir la personne qui donnait le cours. C'est là qu'une des filles a pris la parole. Je m'appelle Kate et je suis gênée par mes grandes oreilles, donc je n'attache jamais mes cheveux. Bienvenue Kate. Mademoiselle, ne restez pas là comme ça. Asseyez-vous et parlez-nous de votre problème. Tout le monde vous comprendra ici. Mais je suis venue pour un cours de maquillage. Regardez, j'ai un bon. On dirait que quelqu'un vous a fait une blague. Nous n'organisons pas des cours de maquillage ici. Il y a seulement notre groupe de soutien, pour les personnes avec des apparences inhabituelles. Amanda était tellement méchante.
Elle s'était dit que c'était drôle de m'envoyer dans un groupe de soutien de personnes moches. Après tout ce que j'avais fait pour elle, je suis rentrée à la maison et j'ai montré à David la vidéo de sa copine embrassant quelqu'un d'autre. J'étais sûre qu'il s'énerverait et qu'il voudrait se venger d'elle. Mais il a juste dit « Eh bien, tant pis, j'avais une autre fille de toute façon. » « Vraiment ? C'est qui ? Si ce n'est pas indiscret. » « Toi. » David m'a tirée vers lui et m'a embrassée. J'étais tellement choquée que j'ai marmonné des bêtises et j'ai couru dans ma chambre. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par quelqu'un qui toquait à la porte. « Petit déjeuner au lit pour ma princesse. » « Merci David, c'est tellement gentil de ta part. » Après le petit déjeuner, on est allés en cours ensemble. David m'a tendu la main tout le long du chemin et je rayonnais de bonheur. C'est là qu'Amanda m'a vue. Mince, elle ne pouvait pas nous laisser tranquilles. Mais quand elle s'est bien approchée de nous, on n'a pas pu s'empêcher de rigoler. Sa peau sur ses lèvres, ses paupières et ses sourcils s'étaient détachés. Elle pelait. Mon Dieu Amanda, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas tes affaires. Et qu'est-ce que tu fous avec elle? Quoi que je m'en fous, je suis avec Tim maintenant de toute façon. Avec David, on a explosé de rire. Et Amanda s'est dirigée vers son nouveau copain en balançant bien ses hanches. Quand Tim l'a vu, il s'est étouffé avec un coca. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, t'inquiète, ce n'est pas aussi grave que tu penses. C'est juste que j'ai beaucoup pris le soleil ces derniers temps. Et mon maquillage permanent s'est décollé. Visiblement, ils n'avaient pas bien fait leur taf. Mais je vais aller dans un salon normal et tout réparer. Ne t'approche même pas de moi comme ça! Je ne sors pas avec des gens moches! Mais Tim n'est pas resté beau très longtemps non plus. Une semaine plus tard, il s'est présenté à l'école avec un visage battu. Quelqu'un l'avait puni pour avoir dragué la petite amie de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, je sortais avec David. Mais le mois a passé et il était temps de se dire au revoir. Je ne voulais pas rentrer chez moi et j'ai fondu en larmes à l'aéroport. Même si on s'était dit qu'on allait s'écrire. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un me manquerait autant. 6 mois ont passé et on a parlé tous les jours. Mais un jour, il m'a appelé l'air vraiment excité. Tiens, va dehors. Je suis donc sortie et j'ai crié tellement fort que toute la rue a dû l'entendre. David était venu me voir. Mais comment t'as... Eh bien, ma sœur a vécu ici aussi, donc elle m'a donné l'adresse. Elle a tellement aimé être ici qu'on a convaincu nos parents de déménager ici. C'est comme ça que je suis devenue la fille la plus heureuse du monde. J'ai bien compris qu'il y avait des choses plus importantes que notre apparence. Et toi, tu fais attention à ton apparence? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.